Donc, au catin et catasson. Donc, madame Yobing. La fin de la moto, ah. Silence, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, très chers compatriotes, je suis là pour vous annoncer notre première voici une prise de nouvelles que certains parmi vous ont pu apprendre avec le communiqué que nous avons publié tôt ce matin. En effet, cette nuit, vers 2 h du matin, un incendie s'est déclaré sur l'un des entrepôts centraux de la Commission électorale nationale indépendante, située à Kinshasa sur l'avenue de Fox Lavée, dans la commune de la Gomé. En neuf jours de scrutin, cet incendie est un coup dur, particulièrement pour la ville-province de Kinshasa, car les matériels électoraux pour les autres provinces du pays sont déjà déployés au niveau des différents territoires et villes. À 97%, le 3% restant étant en voie d'arrivée. En attendant les estimations définitives des dégâts causés par cet ignoble événement, la CENI constate que le feu a consumé les matériels des 19 sur 24 communes de Kinshasa. Ce qu'il faut néanmoins dire, il n'y a pas eu perte en des humains. Les matériels estimés à ce moment, c'est près de 8000 machines à voter sur les 10 368 prévues pour Kinshasa. C'est 3774 isoloirs sur les 8887 prévus. C'est 552 kits bureautiques sur les 8887. 17 901 entres et délivres, 800 nouvelles motos et 15 véhicules. Près de 9500 batteries externes. Tous ces matériels, je relève également la perte de matériel de cycles électoraux de 2006 et 2011, ainsi que le matériel d'enrôlement. Sans minimiser la gravité de cette situation dommageable pour le processus électoral, la CENI s'emploie pour la poursuite du processus conformément à son calendrier. S'agissant des Kinshasa, ville à laquelle était destiné le plus grand lot de matériel brûlé, des dispositions utiles sont prises après évaluation technico-opérationnelle préliminaire que je conduis personnellement ce matin, afin de garantir là aussi la poursuite sans faille du processus électoral. Mesdames et messieurs, cet incendie advient alors qu'on constate plusieurs manifestations des passions d'ordre politique suscitées par la perspective de scrutin du 23 décembre prochain. Les passions sont naturelles en politique, mais il faut les dompter pour mériter de la nation. C'est le lieu de rappeler au regard des risques de dérapage constatés récemment dans la campagne électorale. Le code de bonne conduite des partis politiques, spécifiquement le préambule et les articles 16, 17 et 25, dans lesquels sont affirmés le rejet de toute forme de violence et la détermination d'éviter contre la violence et destruction dans le processus électoral et à combattre toutes les antivaleurs liées à la proclamation des résultats électoraux, notamment par l'acceptation des issues des élections. L'engagement à éviter toute intimidation et ou incitation à la violence, les propos diffamatoires, les attaques personnelles, les discours séparatistes, tribaux et la prolongation des rumeurs. L'engagement à éviter toute forme de violence et du terrorisme. L'engagement à éviter la violence et la destruction sous toutes ses formes, en indiquant, bien entendu, que conformément à la loi, les installations de la CENI sont inviolables. Je vous remercie et me tiens à votre disposition pour d'éventuelles questions d'éclaircissement. Si tu enlèves le son n'en parle. Merci beaucoup. Nous allons prendre les premières séries de questions. Nous allons commencer. Questions-réponses. Nous allons aller questions-réponses, questions-réponses, s'il vous plaît. De tout proche de vous. Merci de vous présenter. Vous donnez le nom de votre organe de presse et vous posez la question. Patrick Zagré pour Sakola.com. Monsieur Nana, pourquoi se retard dans le développement de ces matériels jusqu'à avoir cet incident sur la route? Je pense qu'il n'y a pas de retard au déploiement des matériels. Les matériels qui étaient restés à l'entrepôt, c'est le matériel destiné à la ville province de Kinshasa. Il n'y a donc pas lieu de les déployer, sinon qu'à la veille de ce week-end. Nous, le déploiement se poursuit normalement. Pour preuve d'ailleurs, je vous ai parlé de 93%. Voici comment est présenté le pays à ce jour. Le pays, disons, la carte était en couleur blanche, mais aujourd'hui, elle passe à la couleur verte, à 93%, à 97%. Les restants des parties qui sont à jaune, ce sont des provinces ou des circonscriptions où le déploiement est en cours et il est prévu que dans 2 jours, toute la carte devrait être en couleur verte totalement. Madame, une question derrière. Une question, je suis là. Madame, je suis là. Vous connaissez les degrés de tension des Congolais en général et des clients en particulier. Ils sont manières qui sont pour aller au vote. Généralement, lorsqu'on fait des propositions de machines pour que c'est encore, c'est toujours un excellent. Avez-vous pensé à ça? Et pouvez-vous aussi rassurer aux Congolais qu'il y aura élection? On a fait cette décision que nous le ferons tous ce matin. Oui, je commencerai par rassurer les Congolais qu'il y aura élection. Et nous l'avons annoncé, la série son droit pour que les élections se tiennent conformément à son calendrier. Oui, il est évident que lorsque nous faisons l'acquisition de matériel, nous prévoyons toujours des marges qu'on appelle la contingence. Évidemment, c'est cette contingence qui sera mise à protection, qui sera activée pour que Kinshasa, qui n'a plus de matériel, ait la possibilité d'avoir ces matériels. Comment allons-nous activer cette contingence? Il faut dire que la contingence, c'est à partir des matériels qui sont déployés sur le terrain. Ainsi, ce qui était prévu comme surplus ou réserve, une partie va devoir être ramenée à Kinshasa pour son déploiement dans la capitale et couvrir le près de 8000 bureaux de vote de la capitale Kinshasa. Merci beaucoup. Rachel Kitissa pour le compte du magazine Actu 30. Monsieur le Président, il faudrait préciser exactement qu'est-ce qui s'est passé la nuit de ce mercredi, disons, à jeudi, dans l'entrepôt de la CENI. C'était quoi exactement l'origine du feu, mais aussi si vous avez ouvert une enquête, puisqu'on a vu le déploiement de la police, mais également des forces de l'armée sur place. Ce que nous avons comme élément en ce moment, c'est que nous voulions porter les formations à l'opinion nationale et internationale de ce qui s'est passé cette nuit à 2h du matin. Nous l'avons annoncé, c'est un incendie qui s'est déclaré dans l'un des entrepôts centraux de la CENI, qui se trouve en fait à la Gomé, sur le boulevard, disons la vallée des forces armées. Il faut dire que nos entrepôts sont localisés dans une propriété du gouvernement américain parce qu'en fait, c'est là que va se délocaliser la prochaine ambassade des États-Unis. Nous attendions bien entendu quitter ces gens, dégager les entrepôts juste après les élections. C'est ce qui s'est passé. Les enquêtes sont en cours, les investigations sont en cours menées par les services compétents. Ce sont ces services, ces travaux qui nous permettront d'identifier l'origine exacte de cet incendie. Nous disons déjà que si un tel incendie est d'origine criminelle, nous dénonçons et nous disons que le peuple congolais a besoin des élections, il n'a besoin que des élections. La CENI s'emploie pour que ces élections se tiennent conformément à son calendrier. Avant de poser la question, lunettes de président côté droite. Dans votre tendance, est-ce que vous prévoyez d'importer de nouvelles machines de Corée du Sud ou alternativement d'imprimer des bulletins en papier pour ces communes de Kinshasa?